qu'un enfant de BCK de louer le Seigneur. Ah. Alléluia. Amen. Matthieu 2, verset 1. Verset 1 à 2. Oui. Jésus étant né à Bethléem. Oui. En Judée. En Judée. Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient. Voici des mages d'Orient. Arrivèrent à Jérusalem. Arrivèrent à Jérusalem. Et dire. Et dire. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Regarde ton frère. Dis, où est celui qui réussit dans cette famille? Où est celui qui doit être élevé? Où est celui qui va percer? Où est celle qui doit se marier? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu. Car nous avons vu son étoile. On a, avons vu quoi? Nous avons vu quoi? Oui. Et nous sommes venus pour l'adorer. Parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Deuxième parole biblique. Psaume 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Et il donne à chacune de ces étoiles un nom. Parole de Dieu. Acclame Jésus, assieds-toi. Vaincre les chasseurs d'étoiles. Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 2. D'abord, il faut savoir pourquoi Matthieu a été installé comme étant le premier livre de la Bible. En temps normal, en parlant du Nouveau Testament, je veux dire. Le Nouveau Testament place Matthieu en premier, pas parce que Matthieu est le premier livre qui a été écrit, mais parce que Matthieu est appelé le livre de transition. Ça veut dire que l'Éternel utilise le livre de Matthieu pour le placer au Nouveau Testament en premier, pour dire que ce qui a été prévu par les prophètes est sur le point de se réaliser. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, tu verras qu'on parle beaucoup de selon ce que les prophètes avaient annoncé. On parle de ce que selon les prophètes avaient dit. Donc tout ce que Matthieu annonce fait référence aux prophètes. Pour dire que ce que les prophètes ont dit, la chose là est vraiment là. Le Jésus dont ils avaient parlé, le voici aujourd'hui. Et je vais dire à quelqu'un, parce que nous lisons Matthieu ce soir, toute prophétie qui avait été annoncée sur ta vie va trouver accomplissement au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais celui qui est violent ce soir, il reçoit son miracle au nom de Jésus. Je proclame un exaucement immédiat sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que tout ce qui était suspendu s'accomplit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement ton amen est fort, ta visitation sera forte. Le livre de Matthieu, c'est la réalisation de toute prophétie annoncée par les prophètes. Jésus qui avait été annoncé est enfin parmi nous. Qu'est-ce que tu as annoncé sur ta vie? Qu'est-ce que tu as proclamé sur ta vie? Qu'est-ce que tu as déclaré sur ta vie? Qu'est-ce que tu as décrété sur ta vie? La chose là demain matin frappera à ta porte. La chose là demain matin entrera chez toi. Le miracle entrera dans ton téléphone. Je prophétise que demain, dans le nom de Jésus, ton téléphone va sonner. Et la nouvelle que tu attends, la nouvelle là arrivera au nom de Jésus. Tu me dis amen. Dieu saisit cette parole pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il est important de comprendre que dans toute armée, il y a ce qu'on appelle des corps. Et on appelle ces corps-là des corps d'armée. Et j'ai prêché la dernière fois et j'ai dit, dans l'armée de la Côte d'Ivoire, il existe des corps tels que la police, tels que la gendarmerie, tels que la douane, tels que les hauts-forêts, mais tout ça forme l'armée. Et je dis que lorsque Dieu aussi veut se déployer, il a son armée. Et quand tu entends le nom archange, qui signifie premier des anges, on parle des chefs qui dirigent des légions d'anges. Donc on parle de Michael, on parle de Gabriel, on parle de Raphaël. Tous ces archanges sont à la tête d'une communauté d'anges qui est une arme de Dieu, un corps d'armée. Dis amen. Mais Satan aussi a ses corps d'armée. Et nous avons vu beaucoup de corps d'armée. On a vu la dernière fois, par exemple, les oiseleurs. On a dit, le filet sera déchiré. Qui se rappelle de ce message? Le filet de l'oiseleur, l'étoile d'araignée, toutes ces choses. Ce soir, nous parlons des chasseurs d'étoiles. La Bible dit en Matthieu 2, des gens vont arriver, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont habillés différemment. Un accoutrement qui n'est pas un accoutrement qu'on avait l'habitude de voir. Ils avaient bandé leur visage. Ils avaient des chapeaux. Ils avaient une façon de s'habiller qu'on ne connaissait pas.
Ils sont arrivés dans le pays et ils ont demandé tout de suite, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les gens se regardent, les gens se posent des questions. Il y a un seul roi ici, son nom c'est Hérode. Mais comment encore on nous parle d'un roi? Si vous voulez voir le roi, voilà le palais royal. Mais pour dire qu'il y a un roi qui vient de naître, ça, on n'est pas au courant de ça. Ils disent non, il y a un roi qui vient de naître. On dit le roi que nous connaissons, il est déjà vieux. Son nom c'est Hérode. Voici sa maison, voici ses gardes de corps, voici son palais royal. Et je crois qu'il doit être à l'intérieur. Ils disent le roi que nous cherchons, il n'est pas vieux parce qu'il vient de naître. Et ils vont ajouter quelque chose pour amener les gens qui les écoutent à comprendre leur langage, le langage spirituel. Ils disent, nous avons vu son étoile, c'est pourquoi nous savons qu'il est un roi. Nous avons vu son étoile, c'est pourquoi nous savons qu'il est né. On ne le connaît pas avant, on ne connaît même pas ici, mais son étoile nous a envoyé jusqu'ici. Qui sont ces mages? Qui sont ces personnes? Quel est leur travail? Pourquoi marcher de si loin pour suivre une étoile? Ils ont voyagé, ils ont abandonné leur pays lointain. Ils ont marché en marche de chameau pendant plus d'un mois pour arriver à Bethléem, pour chercher le roi qui vient de naître. Personne ne leur a dit que monsieur, il y a un roi qui est né. Personne n'a payé un journal où il était écrit, attention, attention, un roi est né. C'est une étoile qu'ils ont vue dans le ciel qui leur a dit qu'il y a quelqu'un qui est un roi et qui vient de venir au monde. Je veux dire à quelqu'un, dans la classe des agents de Satan, il y a une catégorie qu'on appelle des chasseurs d'étoiles. Ces personnes-là guettent l'horizon. Ces personnes-là scrutent le ciel. Ils cherchent à savoir qui sont les hommes et les femmes qui sont nés pour apporter un plus. Qui sont ces hommes et ces femmes qui sont nés pour renverser la tendance de pauvreté des familles? Qui sont ces personnes qui sont nées pour venir sauver la famille? On dit souvent, c'est l'homme qui fait l'homme. Dieu passe par quelqu'un pour sauver quelqu'un. Dieu passe par quelqu'un pour élever une famille. Dans chaque ciel, il y a des étoiles. Dans le ciel de ta famille, il y a des étoiles. Et souvent tu te poses la question, mais pourquoi je suis tant attaqué? Pourquoi ma vie tourne beaucoup en rond? Pourquoi moi je n'ai jamais la paix? Parce que tu ne sais pas que tu es une étoile. Parce que tu n'as pas encore compris que tu es une étoile. Jésus est né parmi les animaux. Jésus est né parmi les sauteurs, parmi les excréments des animaux, les cacas, les pipis et autres. Les gens qui regardent avec les yeux charnels vont dire, mais cet homme-là est un enfant de pauvre, c'est un enfant qui n'est pas béni. Comment un être humain peut naître parmi les animaux? Mais ceux qui avaient les yeux spirituels ont dit, ce n'est pas l'endroit où il est né qui compte, c'est l'étoile. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas l'endroit où tu dors qui compte. Ce n'est pas l'habit que tu portes qui compte. Ce n'est pas la nourriture que tu manges qui compte. C'est ton étoile qui parle de toi. C'est ton étoile qui dit que tu es. Ce n'est pas ce que tu traverses qui compte. C'est ton étoile. Tu es une femme. Tu es un homme en qui tu as placé une destinée. Des gens qui sont autour de toi peuvent te traiter de tous les noms parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la révélation de l'étoile que tu es. Des gens te donnent un nom. Des gens te donnent des surnoms. Des gens se moquent de toi. Des gens t'humilient et tu veux te décourager. Et tu dis, tout le monde se moque de moi. Qui sont ce tout le monde? Tu me parles de ces personnes qui n'ont pas des yeux spirituels. Les mages ont vu l'étoile. Les hommes ont vu un enfant. Les mages ont vu un roi. Les hommes ont vu un bébé. Une étoile est née. Une étoile est née. Ils ont scruté l'horizon. Ils ont scruté le ciel. Et ils ont vu qu'une étoile est au-dessus des autres étoiles. Jésus nous a montré que toute personne qui vient dans ce monde est connectée à une étoile. Psaume 147, le verset 4. Nous allons lire ensemble à 3. 1, 2, 3. Il compte le nombre, il leur donne à toutes des noms. En un mot, le nom que tu portes
est le nom de ton étoile. Ah, c'est pourquoi fais attention au nom que tu donnes à tes enfants. Parce qu'une étoile peut être bousculée. Une étoile peut être handicapée. Une étoile peut être aveuglée. Juste par le nom que tu lui donnes. Vous devez prier avant de choisir un nom pour un enfant. Quand vous priez, Dieu va mettre dans votre cœur l'envie de choisir un nom, pas selon votre cœur, mais selon l'étoile. C'est pourquoi quand Marie a eu la visite de l'ange Gabriel, l'ange n'a pas laissé Joseph et Marie choisir le nom de l'enfant. Il leur a imposé un nom. Il dit, il s'appellera Jésus. Son nom est déjà là. Ça signifie sauveur. Ne prenez pas le nom de vos oncles pour donner à cet enfant. Ne prends pas le nom de ton arrière-grand-père pour donner à cet enfant. Cet enfant-là a déjà un nom. Son nom, c'est Jésus. Ce n'est pas Marie qui a appelé son enfant Jésus. Ce n'est pas Joseph qui a appelé son enfant Jésus. C'est la révélation de Dieu à travers l'ange de Dieu qui lui a dit, cet enfant-là appelle-le Jésus, qui signifie sauveur. Mais quand tu regardes la vie de Jésus, il est venu pour nous sauver. Si on appelait Jésus Gabriel, il allait échouer. Si on appelait Jésus Théodore, il allait échouer. Si on appelait Jésus Yannick, il allait échouer. C'est chic Yano, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de Yano, ou bien de Théo, ou bien de Tatilou. C'est une question de ce que Dieu dit. Et beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui parce que tes parents t'ont superposé sous des noms qui t'écrasent. Mais ce soir, je déclare, le nom de Dieu va te libérer. Le nom de Dieu va libérer ton étoile. Tu es libéré au nom de Jésus. Le prophète Jean-Baptiste a vu le jour, enfant d'une mère qui était stérile. Et le jour où Élisabeth était enceinte, il n'y avait aucun visiteur. Aucun ami, aucune amie. Mais le jour où on doit donner le nom à l'enfant, bizarrement la maison est remplie. Qui vous a appelé? Non. Comme on doit donner le nom à l'enfant, on est venu pour dire comment il va s'appeler. La Bible dit les voisins et les amis. Le papa n'a pas encore parlé. La maman n'a pas encore parlé. Toi voisin, c'est toi qui vas venir dire comment moi mon enfant va s'appeler. Et vous riez, mais c'est l'erreur que beaucoup ont commis. On quitte là, appelez-le là, hein, parce que notre arrière-grand-mère, c'est elle qui a créé le campement. Faya. Et ton enfant est grand. Et chaque jour qu'il rêve, il a un campement. Comment penses-tu que tu es en Europe? Mais chaque jour quand tu dors, tu es au village. Il y a forcément une chaîne, il y a forcément une corde qui retient ton étoile à cet endroit. Ce soir, je prêche ce message pour que l'épée de Dieu te libère. Je prêche ce message pour que la gloire de Dieu te libère. Je prêche ce message pour que tes enfants soient affranchis. Hier, tu ne savais pas, mais aujourd'hui, tu sais. Les chasseurs d'étoiles sont des personnes qui travaillent avec les signes du zodiaque qu'on appelle l'horoscope. De janvier à décembre, les hommes ont donné des noms pour nous emmener à aimer l'horoscope. Et des chrétiens sont tombés dans le panneau. Parce que si on te dit que Scorpion, c'est le dieu de la mort, tu ne vas plus regarder. Donc on dit Scorpion. Eux, ils en entendent, ils sont beaux, ils ont le bon cœur. Et tu dis, moi, je suis scorpion. Amen. Amen. Ah, moi, je suis poisson. Quand ça t'arrange, là, tu es dans l'horoscope. Ah, nous, les lions, là, on est dangereux, hein. Tu es le lion de la tribu de Judas. Il est en toi. Notre horoscope, c'est l'aigle. Parce que Dieu est l'aigle. Notre horoscope, c'est le lion. Parce que Dieu est le lion de la tribu de Judas. Tu n'es pas une balance. Tu n'es pas un poisson. Tu n'es pas un sagittaire. Tu n'es pas un bélier. Tu es un enfant de Jésus de Nazareth. Tu es une étoile. Et tu brilleras cette année. Oh, dis-moi amen et cela est activé. Dis-moi amen et cela est activé. Dis-moi amen et cela est activé. Dis-moi amen et cela est activé.
Derrière chaque signe d'horoscope se cache une offrande. On te dira, voilà ce qui va t'arriver. Dépose 5 francs, donne 10 francs, donne une pièce à quelqu'un. Il y a toujours une offrande pour sceller. Il faut les voir, les chrétiens hippopotames. Hippopotamus. C'est qui le chrétien hippopotame? Il vit dans l'eau, mais il marche sur la terre. Il est dans l'église, mais dans les boîtes de nuit. Il est dans la parole de Dieu, mais il est aussi dans l'horoscope. Il est le premier à payer les journaux. Il ne cherche même pas à savoir comment ça va se passer dans le pays. Il cherche à voir déjà qu'est-ce qu'on dit sur Sagittaire, c'est moi. Sois délivré ce soir. Depuis ta chaise jusqu'à tes cheveux. Maintenant qu'ils ouvrent là. Et ceux qui font ça, vous les reconnaîtrez souvent par la façon de lire la Bible. Ils n'aiment pas chercher Dieu. Donc les voici en train d'ouvrir la Bible. Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il se souvient de son ancien exil, ce Baillé. Donc, Baillé n'est plus. Comment faire pour pouvoir être dans le système? Je parle-moi, 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 parle-moi. Le jour il tombe, si tu seras à la tête et jamais à la queue, il dit merci Père, merci Jésus, tu m'as parlé. Et le jour maintenant il fait ça, parle-moi, 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 tu mourras ce soir. Ah, sois libéré de tout ça. Cherche Jésus en vérité. Oh, tu me dis amen, ce soir ta lumière est éclairée. Tu me dis amen, ce soir Dieu va t'élever. Ce soir Dieu va t'élever. Ta prophétie est certaine. Elle se réalisera certainement. Tu es une étoile. Regarde ton voisin, dis tu es une étoile. Regarde ta voisine, dis tu es une étoile. C'est parce que tu es une étoile que le noir vient. C'est parce que tu es une étoile que les problèmes viennent. Parce que Dieu sait qu'un problème ne peut pas anéantir une étoile. Aussi longtemps que la nuit est noire, l'étoile donnera de la beauté à la nuit. C'est à cause de l'étoile qu'on dit la nuit est belle. Sinon tout le monde a peur du noir, mais à cause de l'étoile, la nuit devient belle. Ta famille a connu une nuit, mais à cause de toi, les gens vont commencer à évoluer. Ta famille a connu des problèmes, mais à cause de toi, les gens vont commencer à se marier. J'ai l'étoile qu'il nous fallait. J'ai l'étoile qui manquait. À partir d'aujourd'hui, tu es la Esther de ta famille. Les gens commenceront à être béni à cause de toi. Tu es une étoile. Tu es une étoile. My God. Maintenant, parmi les étoiles, il y a des étoiles. Parmi les étoiles, il y a des étoiles. La Bible dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il y a des enfants, il y a des fils. Tout le monde est enfant. Mais qui est fils? Pour naître un enfant, c'est une grâce. Mais pour naître un fils, c'est une grâce de l'Éternel. Il y a des gens qui ont mis un enfant au monde, ils ont fait anniversaire. L'enfant est devenu braqueur. On a pillé l'enfant là toute sa vie avec un nez papillon. On a pris les photos de famille. À 20 ans, il a pris pistolet. Donc mettre un fils au monde, c'est quelqu'un qui te permet dans ta vieillesse d'être en joie. Quand tu es fatigué de courir, il t'apporte la nourriture. Quand tu es fatigué de courir, il t'apporte le réconfort. Tu sais pourquoi ta mère vit encore? Parce que toi, tu dois lui donner les beaux jours avant qu'elle ne parte. Ce que ta mère n'a pas eu, toi, tu le seras. Ce que ton père n'a pas été, toi, tu le seras. Même s'ils sont déjà partis de là où ils sont, ils seront fiers parce que leur enfant est devenu quelque chose. Je refuse que tu échoues dans ta vie. Je refuse que tu échoues dans ta vie. Au nom de Jésus, je le refuse. Dis avec moi, je refuse d'échouer cette année. Je refuse d'échouer ma vie. Je refuse d'échouer ma destinée. Je refuse. Une étoile n'échoue pas. Quel que soit le noir, l'étoile brille. Les mages viennent du mot magicien. En un mot, ce sont les sorciers. Ils veillent, ils regardent les étoiles et ils pêchent. C'est comme s'il y a des milliers d'étoiles qui naissent
il y a 12 couloirs. Les 12 couloirs sont les 12 mois de l'année, depuis janvier jusqu'à décembre. Et dans le règne de l'esprit, il y a 12 couloirs. Alors les chasseurs d'étoiles se mettent à l'entrée des couloirs et pêchent les étoiles. Et lorsqu'on pêche ton étoile, tu vois des gens qui sont nés mais qui ne réussissent pas. Jésus n'a jamais fait quelque chose pour bénir l'autre et laisser l'autre. C'est un père qui est digne, un père loyal, un père qui est tellement bon qu'il traite chacun de la même manière. Jésus, c'est un Dieu qui est puissant mais qui est bon, qui est miséricorde et qui est amour. Jésus ne peut pas donner à un l'aveuglement et à l'autre la santé. La Bible, tout ce qu'il fait est toujours bon. Et quand on dit que quelqu'un crée quelque chose de bon, il ne peut pas créer un enfant malade. Il ne peut pas créer un enfant qui a des problèmes de santé. Il ne peut pas créer un enfant qui va avoir la mort subite demain. Il ne peut pas créer un enfant qui va être mendiant. Ce n'est pas sa volonté. Mais quelqu'un s'est placé à la lignée des 12 couloirs et a pêché ton étoile. Satan n'a rien, mais son rêve, c'est de ressembler à Dieu. Et Dieu donne à ses enfants. Satan aussi veut donner, mais il n'a pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il vole. C'est pourquoi on dit le voleur. Satan est un voleur. Mais le voleur, il vole à quel moment? Lorsque tu reçois, lui vient me chercher. Vous avez vu, il y a un voleur qui vole, ce qui n'est pas là? Non. Le voleur, on te paye et puis il vient te voler. Tu mets l'argent dans ta poche et puis il vient enlever. Tu mets ton portefeuille dans ton sac et puis il vient prendre. Mais s'il n'y a pas de portefeuille, il n'y a pas de sac. Le voleur ne peut pas voler le portefeuille qui n'existe pas dans un sac. Donc Dieu t'a déjà béni. Mais le voleur se place à la porte. Et il prend ta bénédiction. Dans d'autres versions, on l'appelle le chef du royaume de Perse. Dans d'autres versions, on l'appelle le chef du royaume de l'air. Ça veut dire que c'est personne qui intercède des étoiles avant qu'elles n'arrivent, qui vole ta gloire. Donc tu nais, tu arrives, mais on t'a dépossédé. Comme quelqu'un qui allait à jamais avec ses millions, qu'on a volé, giflé, qui rentre fatigué, frappé sans rien. Pourtant il est sorti avec quelque chose, mais il rentre parce qu'on l'a dépouillé. Donc quand tu vois quelqu'un qui dit on m'a volé, c'est pas parce qu'il n'avait pas, il avait quelque chose, mais on lui a arraché la chose. Et il n'a plus rien parce que quelqu'un a pris. Mais Jésus dit, celui qui t'a arraché, il ira chercher ce qu'il t'a pris et il viendra te le retourner. Ils ont lutté, mes enfants, parce qu'ils ont dit, quelle est cette grosse étoile? C'est un peu comme les pêcheurs qui voient un gros poisson. Ils cherchent à voir ce poisson pour montrer au village que voici le poisson qu'on a pêché. Même sur Facebook, lorsque des pêcheurs ont pêché un gros poisson, ils montent sur Facebook, on met les vidéos, 2 millions de vues, on dit un poisson énorme. Donc l'étoile de Jésus était une étoile énorme. Il fallait la capturer pour être fier qu'eux, ils ont arrêté le Fils de Dieu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a des étoiles qui te mettent au respect. Ils ont fait des kata kata kata. Ils ont fait des koutou koutou koutou. Ils ont fait des incantations. L'étoile est sereine. Il y a des étoiles qu'on ne ferait pas. Il y a des étoiles qui sont lourdes. Ils ont tout fait. Ils ont tué bœuf. Ils ont tué cabri. Ils ont tué mouton. Pour que l'étoile là vienne. L'étoile là dit, ce n'est pas moi qui vais venir, mais c'est vous qui allez venir m'adorer. Je dis à quelqu'un ce soir, ton étoile ne va pas venir, mais tes ennemis viendront à genoux pour dire ton Dieu est puissant, pour dire ton Dieu est victorieux, pour dire ton Dieu là il est fort, pour dire ton Dieu là il est grand. Si tu dis Amen, tourne-toi trois fois et dis Amen. Comment reconnaître quelqu'un qui est étoile? Comment reconnaître quelqu'un qui est une étoile? C'est pourquoi dans les familles, la jalousie commence. Souvent, les enfants sont dans la famille. Si on a le même père, ils n'ont pas la même mère. Il y a des grands frères. Mais Dieu traite avec une personne. Et quand Dieu traite avec la personne, la personne souvent n'est pas la plus grande en âge, mais Dieu la rend plus grande. Les gens disent, mais il y a quoi? La petite casselle qui veut dire quoi? Mon ami, elle est une étoile. Elle est une étoile. Elle est une étoile. Beaucoup de familles sont dans le noir aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que par jalousie, ils ont tué leur étoile. C'est votre étoile qui faisait qu'il y avait de la lumière. C'est votre étoile qui faisait que les gens voyaient votre famille. Celui qui tue l'étoile de sa famille tue sa famille. Ta famille va continuer à vivre, mais n'aura plus de lumière là-bas. Il y a des gens qui naissent, ils ne font pas exprès, ils ne forcent pas. Les choses viennent. Dieu les élève
parce qu'ils sont des étoiles. Arrête de combattre des étoiles. Tu vas t'essouffler pour rien. Une étoile que Dieu a donnée, une étoile que Dieu a élevée, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas. Tu sais, les gens, ce qui les blague, c'est qu'ils voient ton maillot, ils voient ta culotte, ils voient ton pantalon, ils voient ton visage. Ils ne savent pas que quand Dieu bénit quelqu'un, la première des choses qu'il fait, il commence à travailler dans le moteur. Il ne travaille pas dans la carrosserie. Non. C'est pourquoi des gens voient des R4, ils se moquent de ça. Oh, le moteur, c'est Ferrari. C'est lorsqu'on dit on va courir, tu te moques de la R4 à cause de la carrosserie, à cause des habits, à cause de la maison. Mais lorsqu'on dit paix, tu es étonné que comme une R4 peut avancer comme ça. C'est pourquoi les gens sont étonnés. On dit mais elle fait comment? Mais il fait comment? Dis avec moi, je suis une étoile. Il agira, il le fera. Joue-moi la batterie.